Et salut à tous, c'est Azirix et bienvenue sur la revanche d'un Mega Man 2.5D. Mais cette fois-ci, on change de joueur, on vire Lord Mino et on passe à Red Bull. Salut Red. Il est mort de rien. Parce qu'en fait, là, il dit qu'il est fatigué, qu'il va pas bien jouer et tout ça, tout simplement parce qu'il sait que. Bonjour à tout le monde. On passe en mode A. Non, 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 pas mode. Ah, non, non, c'est sans moi là. Tu me sens bien normal à la limite. On a dit que je passerai jamais dans un mode A. Donc c'est pas un mode Vous l'avez entendu, hein? Il se dégonfle. A. Après, si tu veux, je veux essayer déjà le mode normal, moi. Attends, il y a un mec qui veut me mettre en mode A. Ah, vas-y. Oh. Hein? Bon, on prend nos couleurs? Merde, c'est vrai que t'as vu. Oh, la config! Donc, on prend mes couleurs. Moi, c'est Aziraël, donc azur, bleu. Et lui, c'est Protoman, donc rouge. Red. Pas compliqué. Et en fait, j'ai essayé de trouver un rapport avec le prototype rouge et red. Bon. Ah putain, mais c'est le jeu avec le test kit! Oh, de suite, tu vas arrêter de râler. Il manque quoi dessus? Je vais pas se poser. Non! T'es malade toi! On va montrer, j'en ai fait avant celui-là. Ouais, mais c'est le premier ça. C'est le premier ça, je suis sans doute ça c'est le premier. Bah, c'est surtout le plus facile de tous les boss de Mega Man. Sérieux? Eh oui, c'est Snake Man. C'est pas marqué sur son fond. Hein. Je tiens à préciser que j'ai jamais été bon en Mega Man. Mais alors, vraiment mauvais. Et pourtant, j'adore. Pas comprendre pourquoi. Arrête de bouger ta queue. C'est ta sensuelle. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas copyright. C'est pas possible. Pas voilà. Ouais, premier checkpoint. Ah, j'ai cru que j'allais l'avoir. Ça aurait été joli. Eh, j'ai appris, hein. Ouais, mais laisse-moi de la life. Non! Non, non, laisse pas passer en premier. Je suis stressé. Je suis stressé. J'ai des plateformes. Des plateformes partout. Même pas tu suis en haut. Ouais, j'ai mouru en premier. Hein. Ouais, parce que tu me piques toute la vie. Bah ouais, c'est bien de jouer. La vie, la vie, la vie. Oh le type! Oh le mec! Ah mais ça te fait avoir! T'as la grâce là-haut. Tombe dans un ravin, quoi. Avec l'Ormina, c'était un club ou pas? Oui, c'était un coop en mode hard. Ah ouais, carrément. Dans laquelle on a ça, bien galéré. Putain, putain, les échelles, c'est mes pires ennemis. Il y en a, c'est des pierres, moi, c'est des échelles. Donc, dans laquelle on a essayé de faire du mode hard, bien sûr. Hein, ouais, c'est des films. Avec l'Ormino. Oui, il a perdu son S au passage. Je cherchais pas. Aïe. Donc, qui était en fait une revanche déjà par rapport à Radiant Silvergun qui m'avait imposé un mode hard. Donc, la punition, ça a été Mega Man 2.5D avec moi en coop, vu qu'il y avait le mode coop, en mode hard. Et il a bien dégusté. Ouais, il a accusé un peu. Oh oui. Pas son véhicule. Il s'est retenu. Il s'est retenu? Ouais. Ah, il est mignon. Il est mignon quand il fait ça. Non, il est minot. Oh, ça peut le dire. Faut savoir qu'il déteste quand on détend son pseudo. Il a peur qu'on enlève le S et tout.
Parce que ça fait gamin. Ça fait mine. Je vais mourir. Alors là, j'y peux rien, moi. Mais si, c'est ta faute. C'est toujours ta faute, vraiment. Ah, laisse-la moi. Oh oui. Non. Oh, oh là là, ça fait du bien. Ça va pas. J'étais à deux doigts de crever, en plus. T'es vraiment une salope, là. J'ai appris comment il fallait faire, là. Non, 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 fais pas con, j'ai plus de vie, moi, ça. Tu vois pas comment on commence. On va y arriver. Merde. Je peux même monter. Mais tu vas y arriver, oui. La plateforme. Vous avez fait quel niveau avec celui-là. Celui-là. Ou la vie. Non. Non. Ah quand même. Ça va faire redondant quand même comme vidéo si on fait celui-là encore. Ah oui. Je jouis. L'araignée elle joue pour moi. D'accord. Aïe. Oh, c'est bien, tu donnes des vies. Continue. C'est là où nous mortels. Non, là où tu arrêtes pas de mourir depuis tout à l'heure. Moi c'est activé, hein, je pense que tu fous là. J'étais occupé. Il est violent ce niveau. Donc il faut qu'il y en ait qui. Dans... Il faut que tu montes sur une des plateformes au-dessus et que tu butes. Mais avance. Laisse-moi passer. Bon, ouais, voilà. Faut tout faire ici. Hein. Ah ouais, mais surtout je suis en train de mourir. Oui, prends tout ton temps, hein. Ouais, bah. Putain. Pas chiant, le mec. C'est clair. C'est vrai que c'est bourré de mini-boss, le 2D. Ouais. Contrairement au 3D qui n'ont plus de boss. C'était pratique, ça, on lance tous les deux en même temps. En haut. En haut et moi en bas. Ouais. Moi, toi en haut et moi pas, mais mort. Je lui laisse le chemin facile, il trouve le moyen de crever. Non, mais j'ai plus dit. Oh, mais tu sais que les ennemis aussi, il faut éviter leur tir de temps en temps. Ouais, de temps en temps. C'est pas vite même. Merde. T'as pas honte de nous monter dessus, hein, comme ça? Non. Saleté. Si c'est à refaire, je le referai. Tant de choses que je t'ai dit. Hey, dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est timé. Est-ce qu'on était aussi loin en mode arme? Déjà. On est allé plus loin. Ouais, vous êtes allé plus loin, d'accord. Putain. Oh, comme quoi, même le joueur normal, il. C'est un mandor dans mode à lui tout seul quoi. Ah mais les serpents de Snake Man, ceux-là là. C'est n'importe quoi. Pourquoi sert le petit bout de déjà? C'est pour recharger les armes. Je veux pas d'armes. Ah but l'araignée. Ça vous plaît. But l'araignée. Les escaliers, tu sais quoi, je vais passer par en bas, toi tu vas passer par en haut. Mais les échelles aussi en haut. Oui, mais celle-là, si tu rates, c'est pas grave. Putain. C'est horrible. C'est atroce pour un mec comme moi qui adore Megaman, mais... j'arrive pas à y jouer, c'est atroce. Bien fait pour toi. Et c'est vrai que dans le mode hard avec Lord Mino, on a été obligé d'arrêter le stage parce que Lord Mino était en train de craquer à côté. Sérieux? Il était en train de craquer, donc on est du coup 15 minutes avant la fin du chrono. On a été obligé de changer de stage parce que sinon la vidéo allait durer 15 minutes par abandon de Lord Mino. Non. Je te jure que si. Tu sais que s'il entend ça, ça va pas lui faire.
Ah, mais il est au courant, hein, il était là. Ça va pas lui faire s'il entend ça, il va gueuler. Mais par contre, je dois reconnaître que c'est un rare type d'un Megaman qui arrive à sauter et arriver à timer son tir pour que ça fasse deux balles dans la tête directe. Ah, il est vachement rapide avec les boutons, ça je dois le reconnaître. Balle. Bon, par contre, les trois quarts de mes morts, c'était à cause de lui. Ah. Ouais, comme toi, tu me fais tout à l'heure, quoi. Ah non, lui, c'est pire. En vidéo. Lui, c'est pire. Ah non, lui, c'était... Ah c'est genre, je suis en plein boss et... Eh. Reviens là. Reviens là, mon petit. Allez, mon trampoline. Attends. Mais t'es con. J'étais en train de calculer si on pouvait sauter et tout ça. On s'en fout. Putain. Et on sait qu'on a plus de vie, hein. Oh, c'est pas grave, après on partira sur le title screen et on essaiera en mode hard. Sur quoi? Le title screen. Ouais, en français. L'écran de veille. Et t'as tous les anglophones. T'as tous les anglophones de France qui viennent se mettre à hurler. Si tu continues à me traiter de jeune padawan, c'est toi qui vas te le faire, le mec en haut là. Oh, il va moins rigoler dans quelques secondes. C'est chiant, hein. Ouais, c'est pour toi, c'est. Bah, heureusement que c'est pour moi. Allez, va. Fais pas le con. Allez, pousse. Allez. Non, mais pour moi, ça va. T'as vu ma vie par rapport à la tienne? C'est bon, c'est bon, j'arrive. Le mec, comme il essaye de m'arnaquer. Dépêche, hein. Eh là. Putain, j'ai eu l'impression d'être toi pendant 2 secondes. Eh oh. C'est pas ça, non. Oh putain, je m'empêche de sauter, quoi. Bah, il sert à rien, ce boule bleu. On n'a pas d'armes. C'est moi qui avais besoin de sauter. Voilà, on est avant le boss. Quasi fou, là. On aura suivi. Le boss. Merci, jeune serpent. Oh putain. J'ai pas vu. Je précise que je connais pas le niveau. Bah, c'est pas grave. Putain. Tu fais comme tout le monde. Tu découvres. Non! Ça m'a bloqué le fait que tu restes en l'air comme ça, ça m'a bloqué. Ah ouais, ça va être ma faute. T'es sérieux là? J'avais fait un sans faute, moi. Déjà, t'as fait la connerie de mettre les contrôles de avancer, recul, tout le bordel sur le Just Kit. Oh, ça va. Ah non, c'est horrible. Moi, je m'en sors très bien. Moi non. Ah oui, c'est pas parce qu'on joue ensemble qu'on joue en équipe. Hein. T'as vu le timing que tu me laisses pour sauter à chaque fois? Tu dois être devant moi, qu'est-ce que tu te plains? Oui, parce que j'ai été en retard. Oh putain! Mais le mec il est craqué quand même, c'est ce jeu, je t'ai dit dessus. Il s'est surtout fait plaisir. Ah oui, c'est sûr. Oh! En faisant là! Oh, bute-le! Bon, c'est pas grave, on aura pas le. Ouais, on a pas besoin. On est trop fort pour ça.
Je t'ai vu regarder le. Oui, mais je l'ai vu, mais. J'ai lâché. Oh, 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 putain, putain, je m'appuie. Oui, il est pas là. Allez, mets ton mandat. Oh, c'est Roll. Oh, la petite sœur de Megaman. D'ailleurs, là, ça se donne. Non, pas Snake Man, on vient de le faire. Un autre. Changer un peu, quand même. Moi, je dis... Tu me laisses survivre ou pas? Vas-y. Moi, je dis... Parce qu'on n'est pas sexiste, Splash Woman. Oh, le mec... Bah, quoi? J'ai pas son sens. Elle est comme une autre. Ah, mais c'est la musique qui te prouve que tu joues à Megaman. Ah, c'est sûr. Ah, putain, mais c'est vrai, j'ai oublié que ce niveau était comme ça. Il a froid ce niveau. Ce jeu est horrible. Il y a un moyen très simple de les éviter, hein. c'est de pas rester immobile. C'est pas... Là, c'est ça, c'est malsain de ma playlist. Pas du prendre Splash Man, non, Splash Man. Vous avez vu, j'ai fait preuve d'un skill énorme pour aller chercher la vie, mais elle a servi strictement à quelle dalle. Non, j'avoue, t'as servi à quelque chose pour une fois. Ça, c'est dégueulasse. Bah, tu fais preuve de skill incroyable et tout le bordel. Donc, Ah, mais t'es jaloux en fait. Je suis jaloux parce que moi, je sais pas jouer. Ouais, c'est con, hein. J'étais tellement occupé à me marrer que je suis tombé aussi. Oh putain! T'as heureusement que ça nous bouffe pas de vie quand on meurt tous les deux, quoi. Je pensais que je pourrais passer dessus, mais non. Pourquoi je me prends tous les coups? On dirait la tête de turc de la case. Ouais, c'est clair. J'aurais dû prendre basse. Mais non, c'est la triche basse. J'avoue que c'est de la triche, mais nickel. Ah, je suis devenu un ninja. Ninja, quoi? On a un bonus si on finit le jeu. Enfin, si on finit Splash Woman avec tous les deux. Avec la gueule noire. Non. Putain, il me fait peur. Oh putain! Ninja et pas ninja. Allez, saute! Non. Mais c'est là qu'il faut aller! Je voulais juste aller en tombant, moi. Parce que je suis sûr que je suis capable de me prendre des coups. Oh! Coop! Ah, il y a des vies là-bas! Non, fils de rute. T'es sérieux dans ta complainte? Oh, je suis plus une ninja. C'est que si on continue à tirer, il... Foiré. T'es un enfoiré. Il est bien joué. Passe devant. Ça c'était beau ça. C'est en arrière, mais c'était ce qu'il est. C'est dans les moments les plus faciles que tu reconnaîtras le joueur. Ouais. Merci, Motro Sensei. Aïe! Pourquoi tu m'ouvres la porte? Bien sûr. Ma chambre elle est morte. Je n'ai plus. Non, mais du coup, tu restes là-bas. Voilà, c'est fini. Non! Quoi tant de douleur? C'est la purge. Ah bon, en parlant de purge, j'ai vu le dernier Underworld.
Bah, pas tant que ça en fait. Franchement, agréablement surpris. Pas déçu. Moi, il m'intéresse pas, mais alors pas du tout. Ouais, mais franchement. Bon, ça, l'histoire. J'ai un sur un thème au poste, comme on dirait beaucoup de gens que je connais. Mais ça va, c'est pas dégueulasse. C'est bien à regarder. Allez. Pas dégueulasse du tout. Ok, nickel. Putain! Bon, bah, c'est le sketch, hein. Sextalk. Non, c'est sketch. C'est bien, franchement. Bon, Splashwoman, on le sait, hein, on oublie. Oh, il est facile, Splashwoman. Ouais, bon, on a vu, on a même pas arrivé au boss. C'est le deuxième boss le plus facile de tout, déjà. Bon, Time Man. Comme ça, je suis motivé, là, Time Man. Putain. Time Man. Ouais, je suis motivé. Bah, t'as les... J'ai pas rien de faire. Tu, il me chuchote dans l'oreille, mais ça me fait rien, il dit rien. Pourquoi on a plus de timing? Ah, mais je te choisis à les stages. C'est un bruit. Tu es sérieux là, tu me laisses écraser comme ça. T'as vu tout ce que tu m'as enlevé? Si tu me laissais passer devant, tu serais pas mort. Non, je trouve qu'on a pris un mauvais chemin niveau. Snake Man, Flash Man. Pouf pouf. Pouf pouf. Pouf pouf. Et pourquoi t'as mis retour sur A? Non. Sinon je prends elle. Allez, que de la gueule. Je suis fou. Je sais pas ce qu'elle fait, mais je suis fou. Ah, pareil que Megaman. En moins. Pareil que Megaman, mais en moins. Pas logique, je vais venir. Bah tiens. Voilà. Oh putain, j'ai un flingue. Ouais, je suis une Kaira. Elle a pas d'autres compétences en moins. Ah, elle a les mêmes pouvoirs que Megaman. En plus, en quoi. Oh, mais c'est horrible de jouer avec elle. Oui. Et tu sais que j'ai réussi à battre un boss avec. Sérieux? Ouais. Oui, parce que le tir basique il est solo, mais après, une fois que tu prends les pouvoirs, c'est pareil que Megaman. Bah, ouais, je fais rien. Ouais, non, c'est pas une bonne idée de prendre rôle en fait. C'est pire que du en mode hard là. Du en mode extrêmement hard. Nouveau concept. Mais sérieux, je tire toutes les 3 secondes. Ouais? Bam, 1, 2, 3, bam, 1, 2, 3, bam. 1, 2, bam, 1, 2, bam, 1, 2, bam, 1, bam, 1, bam. Basse, appelée autrement la DCA. En toi, c'est trop facile pour toi. En fait, il faut plus que j'esquive que je charme en fait. Ouais. Bon, on m'en veut pas si je suis de bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour l'instant, pourtant, j'avais fait un beau truc. Hein. Sans déconner, j'étais sur la plateforme, ça fait. Bon, allez, c'est. On va être sérieux. Bon. Sérieux. Ouais. Choisis. D'accord. En deux basses. Sérieux. Ah ouais. Shadowman. Si on arrive à le passer. Ça sera vachement pratique. Alors, le but de passer un niveau, le but de passer un niveau, c'est d'éviter de se manger les pics aussi, ça peut être vachement utile. Qui est-ce qui se met des pics dès le début du jeu? Ce qui est bien aussi, c'est pas de se faire tirer dessus. Au début du jeu. Ferme là, je suis allé plus loin que toi. Je pouvais pas rentrer. Me dis pas que c'est ma faute. En plus, j'ai eu de la chance, j'ai eu le temps de prendre ma vie avant. Elle est marre. Elle est marre. Elle est marre. Elle est bon, pas Shadowman, on a compris. Bon. Bon, dernier test, Stickman. On essaye de battre le boss. Allez. Et ça fera vraiment la revanche. Ah, allez.
On était presque arrivé. Si t'es pas tombé comme un abruti. Il y a encore plein de trucs comme ça après. Mais non, après on était au boss. Ah non, du tout. Si, il y avait la porte du boss. Non, non. C'était pas la porte du boss. Bah si, il y avait la porte, il y avait le signe de Dr. Willy. Crois-moi, c'était pas la porte du boss. J'en ai un peu, je vois pas plus. Mode concentration maximale. Non mais si tu me bloques, ça va pas le faire. Attends, c'est plus légalement. Mais non, mais arrête de me sauter dessus. Tu me perturbes. Non, ça va être mal. Tiens, monte-moi dessus, va chercher la live. Oulala, j'ai du jeu en équipe, je vais être malade à force. On peut y arriver. On peut le faire. T'es pas concentré quand on parle non plus. Hein, de quoi? Tu dis quelque chose? Pam pam pam. J'ai vu les premières images du futur Marvel Capcom 4. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est pas dégueulasse. C'est particulier, mais c'est pas dégueulasse. Alors, en plus, on retrouve un vieux Megaman. Un vieux Megaman? Ouais. Quoi, bah, ça? X quoi. Ah! X ou Rock? On récupère Rock. Donc, ouais, c'est le Megaman original. Ouais. Ce qui est pas dégueulasse. C'est un peu bizarre, mais pas dégueulasse. Il s'entend par un petit peu bizarre. Je sais pas, on dirait un peu de la porte. Enfin, je sais pas, c'est particulier. C'est. Faudrait. En fait, faut que les gens le voient pour en juger. Moi, je trouve ça bizarre. Mais, comme je dis, voilà, c'est pas dégueulasse. Quoi. D'accord. Il est sorti, je crois, je sais plus comme ça, je crois qu'il est sorti cet été. T'es chiant, hein. Ah, je crois que ça, c'était bien, en fait. Il me semble, hein. Je sais pas du tout. Ah, merde. Faudrait que tu vérifies ça, non. On est samedi, le mercredi, quand même. Ça, c'est du jeune équipe. Ouais, il faut qu'on arrête de parler, en fait. Sinon, t'as vu des trucs signés, toi, sinon? Non, pas... Les derniers films? Ouais. Si, j'avais vu... Merde, j'ai sur le bout de la langue. Docteur Étrange. Docteur Strange? Ouais. Ah, je l'ai vu hier. C'est un de mes persos Marvel préférés, mais... Je déteste Docteur Strange. J'avoue que le film n'est pas dégueulasse du tout. Ah non, le film, par contre, c'est devient Inception, Inception, mais du début à la fin, quoi. Je l'ai préféré, Inception, en personne. Non, je veux dire, voilà, non, mais le truc, les immeubles qui bougent dans tous les sens. Mais avance! C'est à quoi que tu fais spoil. Arrête de sauter! Mais. Je vais le faire. Arrête de bouger! Je vais le faire. Mais t'arrêtes pas de bouger, j'arrive pas! C'est con ou quoi? Mais je ne bougeais pas! Si tu bougeais, je te. Bah attends, on entend tes touches quand même. Hein? Non, c'est les tiennes quand même. Non, on entend les tiennes aussi. Ouais, non, de certains, j'ai beaucoup aimé le film. Bon, le personnage, je l'aime pas du tout. Ouais. Non, je l'ai pas. Pour moi, il est trop craqué. Le mec, il veut un café, il claque les doigts, il a. C'est pas vrai. Oh si.
D'ailleurs, j'étais beaucoup, ça m'a fait beaucoup rire la scène de fin avec Thor. Hop. Ah. Qu'est-ce qu'on dit alors? Bah, c'est plus facile quand c'est moi qui fais. Ouais, de suite. Ouais, j'ai beaucoup aimé la scène de fin avec Thor. Je l'ai pas vu la scène de fin. Bah, en fait, c'est. Pour ceux qui n'ont pas vu, bouchez-vous les oreilles. T'as. Strange. Mm-hmm. Qui dit à Thor qu'il a fait un relevé de tous les gens spéciaux qui pourraient causer des dégâts à la Terre, en gros. Ouais. Et il a dit que Loki en faisait partie, il lui demande. Thor lui dit oui, j'ai fait, mais si vous savez pourquoi vous l'avez amené à New York. Et il leur dit, bah, petite défense familiale et tout, en fait on est là pour chercher notre père, quoi. Il lui dit, donc si vous retrouvez votre père, vous en allez retourner à la guerre. Il fait oui. Bon, bah d'accord, bah, je vais vous aider à retrouver votre père alors. Je ne peux pas. Mon avis, ça a dû être fait dans la seconde qui a suivi. Non. Bref, connaissant Strange, il y a fort de chance. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Yeah. Bravo, petit. Faut savoir que Doctor Strange, c'est le mec qui a juste la puissance pour détruire l'univers, quoi. Oui, c'est ça. Mais qu'il le fait pas, quoi. Il a la flemme. Non, c'est surtout que c'est un gentil. Non, il a la flemme, moi je te le dis. L'autre, j'invoque Light Agamotto. Ah merde, on est foutu. C'est pire que ça, mec. Je croyais que t'allais pas me laisser la prendre. J'ai hésité. Putain. D'où tu m'as touché, toi? Attends-moi, Vendée. Wouh. Aïe. Et tu peux jouer aussi Dr. Light dans ce jeu. Ah ouais. Je l'ai pas débloqué parce que j'ai pas fini le jeu. Ah. Ah, j'ai été embarqué dans un cycle de mort interminable. Le micro, c'est sûr, hein, c'est obligé. Je vais comme un pipo. Stop. Dépêche-toi! T'en fous des ennemis? Oui, ben non, c'est celui qui m'a tué tout à l'heure. Et je crois qu'on va s'arrêter là. Non! Vous voulez pas ma chaise? Chaise! Voilà, vous avez vu hein, deux acolytes. Quand je m'énerve, je parle deux échecs. Alors. Ah putain. Il me faut des antidépresseurs. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. À côté d'un Redbone en train de fusionner ses deux neurones qui restent. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir. À la prochaine.